Les commerçants et artisans de Côte d'Ivoire auront bientôt une mutuelle pour se faire entendre auprès des décideurs ivoiriens. Cette mutuelle permettra aux acteurs de discuter et tenter de résoudre les problèmes auxquels les secteurs sont confrontés, notamment la couverture sociale des risques spécifiques au secteur. La cérémonie de lancement du projet de mise en place de la mutuelle a réuni les présidents d'organisations des commerçants et artisans de Côte d'Ivoire. Marius Siri, dans un commentaire de Lizzy Yao. Et ça marche. Et au niveau des fonctionnaires, il y a beaucoup de syndicats également, mais ils se sont mis ensemble pour un intérêt commun. Alors pourquoi pas nous? Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Cet adage a pris tout son sens à la cérémonie de lancement du projet de mise en place de la mutuelle des commerçants et artisans de Côte d'Ivoire. Une mutuelle à travers laquelle les acteurs comptent se faire entendre par les décideurs en vue d'une amélioration de leurs conditions de vie. C'est une mutuelle d'assurance santé qui sera dédiée exclusivement à la couverture sociale des risques spécifiques au secteur de l'artisanat et du commerce, selon le président des commerçants et artisans, Soumaoro Farikou. Commerçants et organisations professionnelles, merci d'être venus ici nombreux. Merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous faites quotidiennement pour l'intérêt des commerçants et artisans de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous entamons là quelque chose de grand. Il nous appartient à tous d'œuvrer pour la réussite de cette mutuelle pour l'intérêt des commerçants de Côte d'Ivoire. Et nous comptons sur chacun de vous. Pour joindre l'acte à la parole, un comité sera mis en place. Son rôle sera d'œuvrer à la facilitation et à la veille de l'accélération du processus de création du projet de la mutuelle. Pour ce faire, un atelier de validation des avant-projets se tiendra le 23 février 2023 et une assemblée générale consécutive le jeudi 16 mars 2023.